Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme vous pouvez le voir sur Waven. Donc c'est un jeu fait par Onkama qui vient de sortir, je crois, il n'y a pas si longtemps. On va commencer tout seul, comme ça je pourrais faire une vidéo tranquillement dessus. Il y a une petite thématique sympathique. Moi, j'ai déjà lancé le jeu une fois pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Le jeu, ça fait un petit moment qu'il est en développement, je crois. Il y a eu Alpha, Beta, il y a eu plein de trucs. Je crois que j'avais commencé, moi j'avais essayé d'après Alpha, un truc comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis j'y avais vraiment beaucoup joué avant, j'y jouais encore un de temps en temps, mais c'est un peu plus rare. Donc l'univers d'Ankama, moi j'aime bien. Et c'est pour ça, à chaque fois qu'ils sortent un jeu ou qu'ils font quelque chose, je teste et je connais déjà un petit peu comment ça marche et tout. Donc ça, j'ai regardé, il y a archer, guerrier, soigneur, assassin, mage. Mais quand on regarde version, ça me fume, ça m'écrogne, et ça, yom. Yop, sera Muxzelor. Qu'est-ce que je choisis? Moi j'avais hésité entre peut-être le Xel ou le Kra. Je pense que je vais prendre le Xelor. Ah, il y a encore d'autres choses à savoir, ok. Bon, je pense qu'on va prendre le classique. Les autres, ils vont peut-être être un peu trop durs, on sait pas, on verra. Est-ce que je peux m'appeler Dadamix? On va peut-être remettre le A avant. Hop, c'est parti. Ok, donc là, on a notre personnage qui est sur le bateau pour voir la carte du monde. Ok. Donc, on est sur une petite île. Ok, on a pas mal d'îles. Et on va, l'idée, ça va être de conquérir les îles un peu, c'est ça l'idée? On peut dézoomer pour voir, ok. Hop, on va rentrer sur... la première île du coup, Gultar. Première arme, jouée, ok. Donc là ça va être le tuto, on va voir un peu comment ça se passe, tout ça. Moi on va pouvoir essayer de comprendre. Oh il y a la VF, let's go. Alors, Oenis doit vaincre tous les adversaires sur le terrain, infliger des dégâts jusqu'à ce que leur point de vie soit à zéro. Jusque là, rien d'exceptionnel. Ok, quand je reste appuyé on peut voir, ok. Il avait 1000 HP mais... il en reste plus qu'un. Ok, donc là, ce que ça j'avais déjà vu. Pour se déplacer, il faut rester sur son personnage. Ouais, ça après, c'est un classique, on va dire, dans le mode... pas dur sur Dofus, hein, t'as fini tes actions, tu passes, etc. C'est une question de tour, et c'est plutôt pas mal. Ok, nos points de vie sont en haut à gauche. À votre tour. Et moi, j'attaque avec quoi, là? Il me faut des sorts. Ok, et pour attaquer, ok, faut cibler un mec. D'accord. Tape-le. Maintiens ton clic, glisse-le. Voilà. Bah. Marche pas. Ah, wesh. Et je suis pas... Ok, ça a marché. J'ai eu du mal, là. Donc là, je vais commencer à avoir des sorts, c'est ça? On va équiper les sorts. Ok, donc en bas à gauche. Alors, voilà tes sorts. Pour l'instant, tu n'en as que 9, mais tu en auras d'autres par la suite. Pour te constituer un deck validé, tu dois équiper 9 sorts au minimum. Ok. Les sorts sont des effets, ont des effets, des éléments. On existe 5. Donc, feu, air, terre, eau et éther. Passe à souris pour voir les effets. Ok, ok. Tu peux quitter, ok. On va quitter. Ouais, on va tester les nouveaux sorts, ouais. On va faire ça, ouais. Allez, c'est parti. Deuxième combat. Bon, ça reste le tuto pour l'instant, donc on verra la suite. Inflige des dégâts et la consomme 2. J'ai pas la portée. J'ai pas de portée dessus. Ah ok, du coup dans la réserve, tu récupères. D'accord. Et selon les sorts, ça en donne dans ta réserve. Tape-le. Ok. Bon, faudra que je lise un peu les sorts, je comprenne un peu comment on voit tous les trucs. Ah oui, c'est vrai, il y avait un compagnon. Ok, donc ils ont des éléments aussi, et ils ont une jauge élémentaire, je veux dire alimentaire. Ok, la plupart des sorts permettent de gagner des points de jauge élémentaire, tu pourras invoquer un compagnon. Deux de jauge haut, ah d'accord, ok, c'est comme ça qu'on les invoque. Tu survoles pour voir les effets, et lui, il donne de l'eau. Lui, laisse-moi jouer, hop. Je peux le lâcher n'importe où? Et l'éther, ça peut tout remplacer, ah d'accord, ok. C'est un piou en fait. Je continue de m'occuper des petits. De toute façon, j'ai que ça à faire. Ça fait partie de du script. Genre, il n'y a pas des barres, par exemple, où tu vois, il vient de lâcher une ref à la... Il a dit, tu ne le sais pas encore. Et tu es déjà mort. C'est Omaewamo Shindelu. Ouais, il y a tellement de trucs. On s'en verra plus tard. Compagnon, du coup, j'ai eu des nouveaux trucs. On va pouvoir, hop, les mettre. Il y a pas de passe. Let's go. C'est là-dedans? Ah, j'ai pas encore ouvert, ok. Choisissez deux récompenses. Ok, donc je vais déjà prendre celui-là. Je vais prendre ces deux-là. C'est bien qu'on puisse choisir en vrai. Attends, on peut bouger du coup? Attendez, je passe ça. Oh! D'accord, j'aime bien. Ok, on se déplace avec le clic gauche. J'ai trop l'habitude de jouer à LOL, moi. Ok. Par contre, c'est ouvert et tout, c'est vachement cool. Comment ça, t'es trop rigolo, Kichu? Allez, fausse botte. C'est la mission, c'est la quête. Lui, il invoque de l'eau, tac. On va faire ça, on va se rapprocher.
Hop, on va invoquer le Pichoun. Le Pichoun va taper. Quand on tue l'invocateur du coup. D'accord, ok. Tour de fil, ça marchait pas comme ça, c'est pour ça, je suis un peu... Bon, j'ai des nouveaux sorts. Choisissez un sort. Ah, faut que j'en choisisse qu'un. Ah, c'est pour l'améliorer, je crois. D'accord, ok. Donc là, j'ai déjà eu, faut que je l'ouvre. Et faut que je choisisse une. C'est quoi, c'est des sorts, ça, on est d'accord, non? Je vais tester ça. On va voir comment ça se met. Et ça, on peut l'améliorer? Comment ça, combien ça coûte? Ça coûte des pièces. J'ai combien de pièces? Ok, on va peut-être pas le faire, on sait jamais. Ça pourrait nous servir. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est des gens, on est d'accord? Ok, y a des gens, c'est cool. On va se taper un peu avec tout. Ah, le bois des guigui. Comment ça? Ah, ça m'a TP dans une zone. Ah d'accord, donc là, faut les aider à se battre, c'est ça? Ou faut... Ah, faut les défendre, d'accord, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de focus un mec et en même temps d'invoquer les bonhommes avec nous. Donc du coup, deux là. Ici, deux. Celui-là, il fait vachement mal, du coup, on va le mettre là. Je vais pouvoir le finir même avec mon champion là. Hop, petite auto-attaque. On invoque le frérot. On va essayer de se rapprocher avec lui. De toute façon, il va pas se faire un shot normalement, à part s'il se fait pousser dans un piège. Quoi? Oui, il y a un frérot qui s'est invoqué là. On est où là? Je vais pouvoir me le faire. Tac, tac. Je peux pas l'auto-attaque. Ok, je vais utiliser le piou. Non, lui. Attaque! Attaque! Ok, je peux invoquer un frérot. Allez, c'est parti. On l'entoure et on le détruit en fait. Let's go. GG. Ça, je pensais pas. Je pensais que c'était un peu plus dur, on va dire. Mais après, c'est le début, c'est normal. Mais avec les compagnons, ça aide beaucoup en vrai. Carte. Du coup, on peut voir sur la carte, il y a Triste Pain, d'accord, ok. J'ai cru voir sur la carte. Magasin d'Astrub, ok. Mais il y a un affaire aussi. C'est pas un vrai magasin, on m'a douillé, je me suis fait douiller, non. Un brassard, j'avais déjà un brassard, je crois. Mais je vais prendre le brassard. Et ça, c'est une question de... Peut-être 10 fois par combat. Ok, donc non, ok, en bleu, c'est plus rare, et du coup... Ok, il sera mieux forcément. Je vais aller voir Triste Pain, tiens. Qu'est-ce qu'il dit Triste Pain? Bon, on va faire les quêtes de Triste Pain. Ok, donc il y a ça monte de niveau. Ok, d'accord, donc ça va être un peu plus compliqué. On va avoir des meilleures récompenses. Bon, au début, j'imagine que ça va aller encore. Hop, et c'est finito. GG. Ok, et du coup, là, je peux mettre l'anneau qui me donne 10% de dégâts de vos sorts. Mais j'ai de la vie en plus. D'accord. Donc après, il y aura un système d'équipement et... Ok, free, facile. Ok, pas mal. On a eu un anneau, mais d'après ce que j'ai vu, on peut en mettre plusieurs. Mais 4, ça fait beaucoup, non? Comment ça se fait qu'on peut avoir 4 anneaux? Bon, on va pas poser de questions. Allez, ça part. On se bat, on se bat. Et boum. Bon, y'a rien de compliqué. Hein. Je suis Triste Pain, personnel. Qu'est-ce qu'il fait Triste Pain? Rejoue son tour une fois par tour. D'accord. Est-ce que j'ai de quoi taper en zone, là? Ouais. Tape les deux, ça je peux retaper. Hop, on enchaîne. Il joue deux fois Triste Pain, c'est une folie, c'est de la triche. Ok, donc il y a une réinvoque. Ah, mais ça invoque des autres trucs. Ça réinvoque des trucs, ils réinvoquent des trucs. Ah, mais il y a des vagues. Ah, j'avais pas compris ça, c'est écrit vague 2 sur 3. Ok. Mais mes trucs d'éléments bougent pas beaucoup, hein. J'invoque pas énormément. En vrai, c'est pas très grave que j'invoque ou pas. Ça va aussi vite en tous les cas. Ils sont cheatés. Triste Pain, il est cheaté. Hop, c'est finito. Nice. Ok, dernier niveau. Je pense après ça, on va un peu s'arrêter. J'ai pas vu les systèmes pour acheter ou quoi. En tout cas, c'est plutôt cool. Je risque d'y jouer un peu plus, je pense. C'est vachement chill. À voir comment on évolue après dans le jeu. Continuer. Ah, c'est comme un donjon, donc il va y avoir des salles. D'accord, ok. J'ai vu, je vois. Et boum. Ok, du coup là, c'est première salle, c'est ça? Oh, level up. C'est un donjon. Et après, il y aura un boss. Ok, nice. On a fini assez rapidement. Oh, on a level up instant. Ok, l'animation est quand même pas mal en vrai du jeu. Pas exceptionnel, mais tu vois, genre, il y a des petits trucs et le fait qu'il y a VF, ça rend le truc un peu plus chaleureux. Oh, franchement, j'aime bien. On peut jouer? Allô? Je crois que c'est le moment. Hein.
Et lui, bah lui, je vais te mettre avec moi, hein, frérot. Ah, c'est vrai que ça m'embête le fait qu'on puisse pas se déplacer plusieurs fois. Faut vraiment du coup bien réfléchir à l'avance. Moi, je vais partir un peu sur le feu pour me faire max de dégâts, non? J'imagine qu'après, faut choisir les... Oh, les sorts selon les éléments que tu joues et tout. Les équipements, ça va être pareil. Oh. Ok, du coup, j'ai fini, j'ai eu toutes les récompenses. Nickel. Caractéristiques. Ah, c'est vrai, on peut voir les caractéristiques. Ok, bon, en vrai, c'est vraiment pas mal. Je pense que j'irai voir un peu dans mon coin où je ferai, si vous voulez, des streams dessus, les gars. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch, DadamixTV. En tout cas, c'était un plaisir. Oh, j'ai encore des trucs. Battle Pass. Oh, ça, on aime bien les Battle Pass. Nous, on veut du pack opening. On veut tout ça. Mais en tout cas, j'espère découvrir encore plein de trucs. Donc, il y aura sûrement un système d'échange d'objets ou de gagner des objets, peut-être des magasins, on verra. Il y a de la monnaie, il y a de quoi faire. Moi, en tout cas, je connaissais déjà un petit peu le système. Je vais quand même juste choisir un truc, soigner ce qu'on peut. Attends, mais c'est quoi ça? Je vais prendre truc feu, je vais prendre que des trucs de feu, moi. Ah, il m'en faut deux, d'accord. Oh, mais lui, c'est apparition, c'est 5 aussi. Ok, je vais prendre ces deux-là. Donc, je reviens là où j'étais. Moi, j'ai déjà pu tester donc le système un peu de combat, tout ça. Et franchement, non, c'est pas dégueu. Il y a un petit peu de hasard, il y a toujours de la connaissance à avoir, de la stratégie. Et c'est plutôt cool. Du coup, avoir un peu la difficulté, comment elle va augmenter, etc. Si c'est assez large. Mais moi, pour l'instant, je vais y jouer à côté. Et on verra du coup ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi, dans les commentaires. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!